sur une île, le ventre vide, à affronter des épreuves toutes plus difficiles les unes que les autres, ou à devoir subir des heures d'entraînement sur le parquet de Danse avec les Stars, cet acharné de travail a toujours réussi tous les challenges qu'il a entrepris. Laurent ! Laurent Mestré et Denitsa Ikonomova remportent cette saison ! Bravo à vous deux ! Et pour relever ce nouveau défi, vous allez voir que Laurent Mestré a pris sa préparation pour Ninja Warrior très au sérieux. C'est lui mon coach, c'est lui qui a m'entraîné. Bon, aujourd'hui ça va être chaud. Tranquille, il est trop motivé là. Séance de torture aujourd'hui. Aujourd'hui, Julie moins 5, il faut qu'il soit au taquet. Donc, il va être mort à la fin de la séance. 3, 4... Allez, allez, tire, tire sur les bras. Allez, on n'abandonne pas, on n'abandonne pas. Il est mort, ça y est. J-3 avant Ninja Warrior. Mon coach me conseillait de me reposer jusqu'à Ninja, mais bon, j'ai quand même envie d'aller m'entraîner, quoi. C'est plus fort que moi. 2m62, presque 3m. Bon, on va améliorer. Allez. Bon, c'est du monde en dessous, là. Allez, lâche ça. Hey Lolo, montre-nous que tu es super ninja. On est toujours avec toi. Ouais, ouais. On est à Orly, prêt à embarquer. Jour J, on arrive. On est arrivé. C'est là que ça se passe. Denis, j'arrive. Ninja Warrior, c'est quand même un gros défi, quoi. Je suis un mec qui lâche rien. Hein. Tant qu'on ne coupe pas un bras, je lâche rien. J'aime bien avoir un objectif. Et voilà, de ce buzzer, pour moi, c'est l'objectif. Allez. Attention sur le parcours de Ninja Warrior, Laurent Mestré. Ah, c'est donc vous ? Je fais bien la voix. Ah, bah, vous faites bien la voix. C'est pas mal. Allez, alors, la toile d'araignée. Il choisit la toile d'araignée. Il s'est beaucoup préparé parce que. C'est vrai ? Il aime bien blaguer, tout ça, mais c'est comme sur Danse avec les Stars. C'était plutôt un bon danseur, mais il travaille énormément. Il vient du Kremlin Bicêtre. C'est un type charmant. Allez, Laurent ! Allez ! Bravo. C'est bon. Allez. C'est que le début là. Allez. Le saut de l'écureuil maintenant. Après avoir dompté une araignée, il va falloir s'occuper de l'écureuil. Vous avez vu, il blague pas, il déconne pas là. Il est pas là pour faire de la figuration. Il est là pour essayer d'aller au bout du parcours. Allez. C'est bon. Alors attention, maintenant il va falloir se jeter. Ouais. Sur les deux poignées. Il a un beau balancier. Il prend le temps. Deuxième. Là, il va sauter. Troisième. Il va sauter là. Oui. Il est là. C'est bon. Il est là. Ah, il est fort. Et là, ensuite, il faut s'agripper au filet. Non, mais là, il n'y a pas de ça, c'est facile, ça. Enfin, c'est facile. Pour lui, je veux dire. Voilà. Oui. T'as entendu le cri ? Ouais. Et il arrive très haut dans le filet, ce qui est bon. Allez, maintenant, le pic à glace. Allez, il se jette sur le pic à glace, Laurent Mestré, oui. Alors là, il faut faire un bon balancier. Il a compris, pas cette fois-ci, la prochaine. Moi, je pense qu'il va y aller la prochaine. Regardez comme oui, il arrive. Ouais. Allez, saute. Oui. Oh là là. Ah non, Laurent. Oh, il n'est pas content, là. Ah oui, il est déçu. Très déçu, Laurent Mestré. Ah, t'aurais peut-être dû balancer une fois supplémentaire. Ah, quel dommage, Laurent.